C'est une figure peut-être plus facile à exécuter. Avec Natalia Yurchenko, c'est, je vous l'ai dit, un nouveau souffle. Perfection du geste, élégance et maîtrise de toutes les difficultés. Vous regrettiez l'autre jour que ces exercices ne soient pas accompagnés d'une musique plus ou moins retentissante. Oui, il est bien évident que l'exécution à la poudre dure 1 minute 10 environ, 1 minute 15. C'est presque identique à l'évolution au sol. Et je pense que si la musique accompagnait ce genre de mouvement, ça prendrait une autre dimension. Et je pense qu'également chez les hommes, un jour, les évolutions au sol seront accompagnées d'une musique parce que ça fait partie maintenant du geste moderne de la gymnastique, d'être accompagné. On fait bien de la culture physique maintenant avec l'aérobic en musique. Il n'y a pas de raison que les gymnastes ne profitent pas de cet engouement. Même sur les appareils. Surtout sur les appareils. Voilà. Natalia Yurchenko qui termine 4.